so happy that I could be here for Virginie's first show and was just so excited to see where she was going to take us in this beautiful train station. 我觉得是第一次来到这个环境的时候，给到我一个非常有度假的感觉，就是他把大皇宫里面就是变成一个火车站，这个我觉得是非常经典跟。 Such impressive, highly structured fiction. Takes a lot of brain power to project these depictions. The setting was super romantic, colorful, and yet so chic and classic. C'est intéressant parce qu'elle a joué sur des silhouettes très différentes, avec des volumes très différents. Je pense notamment aux premières silhouettes qui étaient très belles, avec ses pantalons beaucoup plus larges, des vêtements un peu plus amples, plus aériens. Et puis après les mailles derrière qui d'un coup sont beaucoup plus près du corps. C'était des tenues vraiment simples et tellement élégantes. Chaque coupe est tellement étudiée. Et c'est vrai que je pense qu'on doit se sentir grandi de porter ça au quotidien. I'm going to Italy right now, for example, just after this interview, actually, and I would be packing one of the pink dresses that were in the show with one of the very big black Chanel handbags, and that would be just perfect. There were pieces that referred back to the early days of Coco Chanel in a very subtle way, and I just think that never goes away. I mean, if you take one of those jackets with a pair of jeans, you have it for the rest of your life, and so it's this year's collection, but it has history behind it. C'est la première collection de Virginie Viard. J'avais le trac pour elle, pour toute son équipe que je connais depuis si longtemps. Et j'étais tellement émerveillée par tout ce que j'ai vu. J'ai envie de porter pratiquement toutes les tenues. C'était joyeux, c'était coloré.